J'ai fait cuire du poulet. Je fais quoi avec mes autres poulets après? Là, j'ai enlevé mon poulet de dedans mon gros chaudron. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le bouillon que j'avais préparé avec des oignons, des carottes et tout ça. Je l'ai mis dans un plus petit, réservé dans un plus petit chaudron pour faire une bonne soupe. C'est sûr que quand c'est le temps de transvider, ce que je fais aussi pour que mon chaudron soit plus propre, c'est que je vais mettre de l'eau chaude dedans et là, après, je fais le transfert pour récupérer mon bouillon. Fait que là, je vais désosser le poulet et je vous reviens. J'ai terminé de désosser mon poulet. J'ai ressorti mon bouillon que je vous avais parlé, j'avais fait le transfert. Ce que je vais faire, c'est que j'avais mis mon poulet dans une passoire pour empêcher les os, mais surtout le jus de dégoûté pour récupérer justement le bouillon que je vais transvider dans mon bol, dans mon chaudron pour faire ma soupe. Comme je l'ai dit, tantôt, je vais prendre l'eau chaude puis je vais le rincer pour le rajouter dedans. Il en reste encore un peu là-dedans parce que j'avais déjà mis mes carottes, mes céleris, mon ail et tout ça dans mon poulet. Je me suis fait trois bols. J'ai les os. J'ai le poulet blanc et brun. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon poulet qui est brun puis je vais en mettre, dans déposer dans ma soupe tout de suite. Le restant, je vais faire un riz avec. Puis pour qu'est-ce qui est du poulet blanc, je vais faire soit des hot chicken ou des club sandwich. Puis je me suis fait un bol de gras que je vais donner à mes chiennes, à mes chiens. Mais j'en donne pas beaucoup, juste un petit peu pendant 2-3 jours, c'est une petite, ça le fait une gâterie. Pour les os, quand vous avez terminé, vous pouvez reprendre vos os puis les refaire chauffer pour faire un nouveau bouillon. Quand vous avez fait votre deuxième cuisson, les os qui vont vous rester, vous allez les prendre. Là, moi, ce que je fais, c'est que je prends un sac brun, soit d'épicerie, ou un sac que j'avais, tu sais, quand j'étais chercher mon pain à boulangerie ou des choses comme ça, en papier brun. Puis là, ce que je vais faire, bon, là, de toute façon, ça va être plus facile avec lui parce que quand à l'épicerie, vous pouvez avoir des gros. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre mes os dans mon sac brun pour pouvoir en disposer au bac brun. Fait que ça va vous empêcher d'avoir des mouches qui vont aller pondre sur les os. Vous pourriez toujours prendre ce sac-là, l'envoyer au congélateur avant. C'est pour le faire geler. Puis quand c'est le temps de votre bac brun, parce qu'il passe à toutes les semaines, la passe temps dans vos municipalités l'été, puis aux 2 semaines l'hiver, ben vous faites juste le sortir du congélateur et vous le mettez dans votre bac brun. Le gras, si j'aurais pas donné aux filles, à mes filles, à mes chiennes, ben j'aurais fait la même affaire. Je l'aurais mis dans mon sac brun pour en disposer au bac brun. Ben de toute façon, à travers le Québec, tout le monde va avoir des bacs bruns. Ça va être important de disposer vos matières aux bonnes places. Et un poulet, ça va se retrouver dans votre bac brun quand il est cuit. S'il est cru, oubliez ça. Ça va contaminer la matière. Puis souvent, quand on est au début comme ça, dans plusieurs municipalités présentes au Québec, on est au début du bac brun. Fait qu'il y a des gens qui travaillent à retirer les matières qui sont non conformes au niveau du bac brun. Fait que c'est sûr qu'on vous demande de déposer vos aliments quand ils sont cuits. Si vous avez un congélateur qui dégèle, oubliez ça, là. Ça va être. T'sais, ça prend des matières qui sont cuites pour faire un bon compost. Je voulais aussi vous conseiller d'éviter de donner des os de poulet à vos animaux à cause que lorsqu'on les fait cuire, ils deviennent plus friables. Tu sais, ils sont beaucoup plus secs, puis un os de poulet, c'est vraiment dangereux pour un animal. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah, oh, oui, mais là, moi, j'ai pas à faire de compost ou de mettre ça dans le bac brun parce que je le donne tout à mes animaux. Mais j'ai dit, moi, à votre place, je réfléchirai à deux fois parce que si votre animal va pas bien puis que ça vous coûte du vétérinaire, je pense que ça va coûter beaucoup plus cher de vet que ça peut prendre de temps pour faire un bac brun ou de faire votre compost. T'sais. Au niveau du compost maison, oubliez ça, les os. Premièrement, à la maison, on n'est pas équipé pour
produire un compost avec ces composantes-là à cause que, ben, on l'arrose pas nécessairement tous les jours, tu sais, le vent, le ci, le ça, tandis que dans une plateforme de compostage, tu sais, qui est intermunicipale ou en tout cas qui représente votre dans votre région et tout, ben eux sont déjà équipés, puis ils sont, tu sais, ils vont arroser à tous les jours quand ils manquent d'eau ou des choses comme ça, puis leur compost est prêt en minimum 8 semaines. En plein hiver, ils produisent pareil le compost, ça prend juste une semaine ou deux, des fois trois de plus, ça dépend tant de la gros, tu sais, des grosses températures et tout ça, mais ça se décompose tout le temps. Tandis que nous, oubliez ça, avec le peu de compost qu'on produit à la maison, ben la température réussira pas à atteindre 70 pour pouvoir faire désagréger les eaux. Parce que quand vous avez la plateforme de compostage, les eaux, ils se désagrègent. Inquiétez-vous pas, il n'y en aura pas. Pas en plus, de toute façon, c'est passé dans un tamis. Fait que on se retrouve pas avec des composantes non désirables. Et c'est quand même, ces plateformes de compostage-là, ben, sont vérifiées par l'environnement. Puis il y a des cotes au niveau du compost qui vont être accordés. Puis, si vous allez avoir un super bon compost en envoyant vos œufs de poulet à cette place-là. Mais à la maison, c'est préférable que non. Je vous le dis, ça passe. Mais de toute façon, à défaut, il va vous rester des œufs dans votre compost maison. Mais c'est plus facile de faire un compost maison avec des légumes et des fruits et aucun produit animal.